Musique de circonstance, et ils ne ménagent pas leurs efforts, nos gangans. Qu'importe le temps dehors, tant pis pour la marche nordique et la pétanque annulée à cause de la pluie battante et du vent, ils sauront se contenter de tout le reste, de la belote et des dominos plus tard, de la gym douce, du qigong, des jeux et du renforcement musculaire pour l'heure. L'occasion aussi de se mettre au défi. J'arrive à tout faire, hein, et puis c'est super parce que ça nous apprend comment nous baisser, nous relever, et puis comment nous muscler un petit peu, parce que les muscles deviennent flax avec l'âge. Donc on nous apprend à être en forme. Merci. Ça se voit. J'aime bien le sport. Dès qu'il y a du sport quelque part, j'y suis toujours, parce que chaque année, à Kourou nous invite à une journée sportive. Donc on participe, ça fait peut-être 5 ans qu'on participe. Ensemble, évidemment, il y a le bien-être, on se muscule, il y a la musculation, il y a les étirements, il y a tout. Voilà. J'essaie de faire un petit peu chaque jour, parce que c'est ce qui nous maintient en santé. Et qu'est-ce que vous faites comme ça? Ah ben, je fais de la marche nordique, de la marche, puisque à notre âge, nous ne pouvons pas faire des efforts, beaucoup d'efforts. Donc un peu d'entretien personnel, les abdos à la maison, un peu de vélo, d'appart, et puis voilà. Moi je connais les épaules. On descend le pouce. Voilà. On descend encore et on pousse. Des efforts exécutés sous bonne garde. Les éducateurs sportifs y veillent. C'est super important de tenir en compte des. Parce que souvent il y a. Et c'est lié avec des difficultés articulaires et autres. Et notamment, au fur et à mesure, il y a la diminution du travail de la respiration et tout ça. Donc l'endurance, elle est moindre et tout. Donc il est important de leur rappeler à chaque fois le travail de la respiration, de faire attention justement au maintien et au niveau de la posture. Et notamment, s'il y a douleur et tout, qu'ils ne puissent pas aller au-delà de la douleur et tout. Vraiment faire attention à ces petits détails et tout pour le bien-être de la personne. Ils peuvent tout faire dès que, bien sûr, pas une intensité, on va dire, comme les jeunes, mais ils peuvent pratiquer toutes les activités à leur intensité avec modération. C'est un public très, très attentif et très demandeur, donc c'est un vrai plaisir de travailler avec ce public. Un concept que la collectivité territoriale envisage d'étendre au territoire. Favoriser la pratique sportive des seniors, c'est répondre assurément à une forte demande, majoritairement féminine.